Hey salut tout le monde, c'est Toxos amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la 21e et dernière étape de ce Giro d'Italia 2014 les amis. Avec la victoire sur le jeu bien sûr, hein, sur cette série de Samuel Sanchez. Il n'y a plus de surprise maintenant, ça va être un vainqueur sprinter aujourd'hui très certainement. On va donc prendre nos vélos de plane et on se retrouve dans la course les amis. On va regarder également un peu le moral, hein. La fraîcheur de Quintana qui est très bonne. Mais qui a quand même pris un coup, hein, dans la dernière étape. Il a consommé beaucoup d'énergie. Avec une forme de 4. C'est pas top. C'est même très mauvais. Donc on se retrouve dans la course. A tout de suite. Nous sommes partis les amis pour la dernière étape de ce Giro d'Italia 2014. Donc on va un petit peu revenir, hein, pendant cette vidéo, je pense, à ce qui s'est déroulé pendant ce Giro, ma série, pas le vrai Giro, celui de ma série. Un petit peu mes retours sur ce jeu, ce que je pense faire par la suite. Donc tout d'abord, mon premier ressenti, c'est que je suis quand même bien meilleur sur le Tour de France que sur sa version Pro Cycling Manager. Voilà, il n'y a pas photo. Je gère beaucoup plus la version console que la version PC. Deux versions qui ont totalement rien à voir en plus, hein. C'est vrai que elles se ressemblent pas du tout finalement. Il y a quand même de grosses différences. Je me suis quand même bien amusé sur cette version, c'était bien sympathique. Très très sympathique même, je me suis bien éclaté, même si je me suis fait, par contre, certes, fait fracasser par Samuel Sanchez. Il n'y a pas à dire, je me suis bien amusé quand même. J'ai apprécié tourner cette série. Je pense que je ferai de même pour la Vuelta 2014, il y a de très grandes chances. Ça peut être sympathique. Ça me permettra également de voir si je me suis amélioré ou pas. On verra. Mais en tout cas, franchement, si ça sera à refaire, je le referai. J'ai passé un bon petit moment. Et voilà quoi, donc rassurez-vous, le Tour de France c'est pour bientôt, un peu moins d'un mois il me semble, ou un mois tout juste, je sais pas. Et donc, vous pouvez toujours voter, hein, pour l'équipe que vous souhaitez me voir jouer. Le lien est dans la description de cette vidéo et de toutes les autres. Donc voilà, vous pouvez voter, il n'y a pas de souci. On verra sur qui ça tombe. Oups, désolé, j'ai dû couper le micro, j'ai éternué un petit coup. Donc j'ai préféré couper le micro que de vous enrhumer vous aussi. Donc les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura vraiment plu cette série sur le Giro. Moi ça m'a plu vraiment. Il y a un peu eu de suspense au début, hein. C'est vrai que au début c'était un peu serré, on savait pas trop voilà, qui allait gagner. Après voilà, dès que j'ai perdu, de toute façon j'ai perdu sur une étape, hein. Une étape j'ai pris je sais pas combien de temps. J'ai complètement chié dans, dans le pâté, ce qui fait que ça m'a coûté un petit peu le Giro. Mais c'est comme ça, dans la vraie vie c'est comme ça, si dans la vraie vie... Par exemple, un coureur se chie complètement sur une étape, et ben c'est perdu pour lui. Voilà. Regarde un petit peu comme Nicolas Roche, hein, par exemple, qui a chié dans le pâté dans une étape là, il est tombé ou il était pris dans une chute. Même s'il n'était pas tombé, il était retardé et il a perdu du temps. Voilà, moi ça a fait à peu près pareil. C'était pas une chute. C'était une erreur de connaissance du jeu, je pense. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc ça m'a coûté cher. Et puis voilà quoi, c'est tout, c'est les aléas du jeu. Puis on aura quand même passé un agréable moment ensemble, je pense, les amis. Moi en tout cas, j'aurais vraiment kiffé faire cette série avec vous. Et j'espère qu'on se retrouvera très vite, bah, sur le Tour de France, hein, et même plus encore. Parce que là, très peu finalement connaissent le Giro, très peu sont intéressés par le Giro. Mais je sais que le Tour de France, vous êtes beaucoup à l'attendre. Moi aussi, il y aura beaucoup de compétitions dans le Tour de France, je pense. Ça dépendra surtout de l'équipe que vous avez choisi de pouvoir contrôler. Imaginons que vous avez décidé que je choisisse, je sais pas, la Saxo, ça peut être sympa avec Contador contre Froome. Vraiment, ça pourra faire un beau duel. Donc voilà, soyez au rendez-vous quand même pour le Tour de France. Ça s'annonce d'être très lourd, je pense, hein, vraiment, là, on va bien s'amuser. Ça sera sur PlayStation 4, sur Next Gen, donc, avec un tout nouveau jeu. Je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des choses pas mal. Allez, on va même accélérer un peu le rythme du peloton, regardez. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour. On va mettre Mallory à l'avant. Et on va faire bonne accélération de Mallory. On va travailler pour essayer de rattraper les sprinters. Enfin les échappés, pardon. Et Mallory en mode carrément là
J'envoie tout. Alors, on va mettre maintenant. On va mettre Capecchi. Non, pas mettre Capecchi, on va mettre Izaguirre. Voilà. Hop. À fond. Vraiment, on est en train de mettre à 13 sur cet échappé. J'ai pas envie qu'il aille au bout. Grosse pression là. Est-ce qu'on fait un... Est-ce qu'on ferait pas un petit coup de bordure là, non? Il n'y a pas assez de vent. En tout cas, on fait un écrémage. On fait un écrémage à l'arrière là. C'est mieux que ce soit votre équipe qui mène qu'une équipe adverse, parce qu'au moins vous subissez pas, on va dire. C'est pas vous qui subissez tout ça. Encore 5 km à parcourir. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Ah, également la FDJ Redek qui met en route hein, pour ce. Pour comment ça s'appelle, Nasser Bouani. Également la formation Argos Shimano pour Kittel. Izaguirre hein, qui peut encore envoyer un petit peu je pense. C'est parti, voilà c'est le sprint. Swift hein, qui est parti. Ah des Swift là qui est bien parti également pour pourquoi pas décrocher cette victoire. Il est même très bien parti. Bouani qui a toujours pas lancé son sprint. Il est où Kittel? Où est-ce qu'il est Kittel? Kittel qui est enfermé pour l'instant. Kittel complètement enfermé. Regardez Sanchez sur la droite. Sanchez facile sur la droite, facile. Oh là, s'il gagne sur Trieste. Oh là, s'il gagne sur Trieste, Sanchez. Oh là 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 là. Ah, il va gagner sur Trieste. Hein. Il va gagner sur la dernière étape, les amis. Il va gagner sur la dernière étape. Oh, c'est un sprint bizarre. Hein. Oh, c'était un sprint bizarre, les amis. Sanchez qui gagne. Oh là 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 là. Il aura dominé ce... Comment dire, ce Giro de la tête et des épaules. Vraiment, de partout. Gagne même le sprint final sur Trieste quoi, s'il vous plaît. Non mais allô, est-ce que vous me recevez? William Quintana il a remonté tout le monde. William Quintana qui est en train de remonter même Nasser Bouani quoi. C'est pour dire qu'ils ont vraiment mal passé la montagne les sprinteurs hein. Vraiment pire que les grimpeurs même, j'ai envie de vous dire. Ils ont dû être cuits hein. Vraiment très cuits. Bon et ben voilà hein. Couronne donc Sanchez. Meilleur sprinter, meilleur grimpeur, classement général. Il a tout fait. Il a tout fait. Il vient coiffer Swift comme ça à l'arrivée. Un truc de dingue. C'est pas possible. C'est impossible normalement dans la vraie vie les amis. Un truc de dingue. Vraiment là, j'ai jamais vu ça. Donc, on a quand même remporté le maillot de meilleur jeune avec Nairo Quintana. On a également remporté le classement de la meilleure équipe. Donc, on n'est pas non plus nul. On a quand même rempli des objectifs. Même si l'objectif principal c'est le maillot rose, on l'a pas porté. Et si on l'a porté, il me semble. Il me semble qu'on l'a porté. J'ai peut-être une bêtise, mais il me semble qu'on l'a porté. Voilà, voilà les amis. Terminé ce Giro. Avec, ben voilà, on peut regarder hein, si vous voulez. Samuel Sanchez, 11 minutes 3. Sur Nairo Quintana, Scarponi, 14 minutes 51. Ryder Ejdal, 16 minutes 02. Joaquim Rodriguez, 16 minutes 31. Donc c'est quand même beaucoup, hein. C'est quand même énorme. Donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce Giro, les amis. J'espère qu'on se retrouvera très vite pour d'autres vidéos. Et rendez-vous également pour le Tour de France, c'est très 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 bientôt. Il y aura une vidéo découverte quand le jeu sortira. Je remettrai également le sondage pour booster encore un peu plus les votes. Donc on se retrouve très vite. On se retrouve aux alentours du 19 juin. Pour la découverte de Tour de France 2014 sur PS4. En tout cas, portez-vous bien. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye.